Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule Cockpit. Et aujourd'hui, on débute par une problématique. Vous arrivez en finale à vitesse constante sur une pente d'approche à 3 degrés, qui est la pente d'approche classique. Comment connaître le taux de descente à afficher sur le variomètre pour rester sur cette pente à 3 degrés ? Vous avez 3 heures. En aéronautique, il peut être utile de savoir calculer rapidement quel taux de descente afficher sur son variomètre pour rester sur une pente définie. Il existe une formule simple pour calculer cette vitesse verticale. Donc la VZ, ou vitesse verticale en pieds par minute, est égale à GS, pour vitesse sol ou ground speed, fois la pente en pourcentage. Prenons un exemple. Supposons que nous ayons une vitesse sol de 90 nœuds et qu'il faille rester sur une pente à 5%. Alors nous appliquons notre formule, 90 x 5, nous obtenons donc une VZ de 450 pieds par minute. Ainsi, si vous êtes à une vitesse sol de 90 nœuds en finale, vous affichez un taux de descente de 450 pieds par minute sur votre variomètre, vous serez alors sûr de rester sur le plan de descente à 3 degrés ou 5%, et ce jusqu'au toucher des roues. À bientôt sur Cockpit.